voilà enfin. Regarde-toi. Amicia, regarde son dos. Oui, je le vois. Amicia, est-ce que ça va? Ça va. Ça va. On continue. Thank you.
sorte d'ici. Quoi? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je vais nous sortir de là. J'ai recommencé. Je vais y arriver. Réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Non. Amicia. Et chez nous, on avait un chien. Mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est? Où est le bateau? Où il est? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. L'estable est sûr à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens! Viens voir! Oui, j'arrive! Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Eh bien, je sens les chevaux et... Oh Seigneur, c'est moi ça? Non, ça sent les algues. Allez, viens! Attends, il faut qu'on parle! Pas maintenant! Hugo! C'est important! Amicia, qu'est-ce que tu fais?
Go. Donne-moi tout ton art. J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves. Jamais. Pour tout le reste. Hugo, reviens. J'ai pas envie de jouer. Je ne parle pas au poulet. C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit. Au moins, tu as l'air d'aller mieux. Amicia, on est là. Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Ah, c'est trop haut. Saute, je te rattrape. Wow. Hé, attention. Merci. Bien. Surtout, ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, regardez en bas. Oh, arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Ouah, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi, je sonnerai la charge. Oh, je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez! Chargez! Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh! On vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Ça a l'air calme. Quelqu'un habite ici ? Non, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Thank you.
On y est. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr que non. Mais ça y mène. Tu vois ce poteau? Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Pas sûr. Je suis tellement faible. Quand tu es prête. Je vais t'aider, Amicia. Bien. Continuez. Arnaud ! Quoi ? Recule ! Notre chien ! Oh, merde ! Merde ! Doucement, d'accord ? Oui. Ils ont failli m'avoir. Vous êtes malade, bordel. Oh, allons, allons. Bon, libérons le chemin. Je pourrais les faire bouger. Ça s'est mal terminé l'autre fois. C'est pas pareil. Je peux y arriver. Oui. Essayons. C'est fait. Allons-y alors. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Tu te trouves appétissant, toi? Sale morphale. Sans vouloir te vexer, petit gars. Donc tes contrebandiers sont par là? Oui, c'est un raccourci. Tu sais qu'il grouille de rats, ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. Et on a le petit, non? Seigneur, je n'aime pas ça. Ils sont des millions. T'es content? On passe quand même. Parfait. N'aie pas peur. Sans blague. Hé, petit gars, ils t'obéissent. Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Excellent. Hé! C'est quoi, ça? Tu l'as utilisé contre... Respire. D'accord. Bon, regarde. Les grottes continuent par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça, un raccourci pour toi? Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non, j'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant...
sera utile. Ce petit bâton. Suis-moi, point. Restez près de moi. On y va. Je te fais confiance. Et me serre pas comme ça. Ça me fera pas aller plus vite. Désolé. Et c'est assez dur de garder son calme. On l'a déjà fait plein de fois. Oui, ben, je vous plains. C'est compris. Thank you.
route. Vite! Je m'en charge. Voilà, facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Oh, oh non. Quoi? C'est quoi ça? C'est un nid. Oh, ne me dis pas qu'on doit aller là-dedans. Et si? On ne devrait pas. C'est ça, ou on reste ici? Les contrebandiers ont dû l'abandonner. Je vois pas pourquoi. Allez, respire un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûre de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qui nous attrapent. Comme des gens. Oh, bon sang. Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacuna. On te soignera. C'est de la folie. Les contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Ah.
respire un grand coup. On y va. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé, là. Tu es sûre de toi? C'est le seul moyen. La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Cette odeur... C'est quoi, cette chose? J'en ai la chair de poule. Ils fabriquent ça... avec les choses qui les attrapent. Comme des gens. Bon sang... Tu as dit que vous étiez en Guyenne. Ça a commencé là-bas. Tu... Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi, on subit tout ça, comme tout le monde. C'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à Lacuna. On te soignera. C'est de la folie. Bon sang. Ça fait quelle taille, ça? Ça pourrait être géant. Par ici, je pense. Attention. Ça ne marchera pas tout seul. On va rajouter quelque chose. De quoi rendre ça volatile? Du salpêtre, peut-être? Voilà! De l'odoris! Essayons-le! Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas! Oui, si tu le dis! Je peux pas me rapprocher. Je ne peux pas te retrouver. T'es sûr de toi avec cet appât? Il a raison. Le sol est bizarre. Oui. Je vais trouver autre chose. Maintenant! Ça marche! Oui. Je sais pas ce que c'était, mais tu m'as sauvé la mise. On n'est pas sorti d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Arnaud, occupe-toi de ça. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'odoris. Laisse-moi voir. Chose de collant par terre. C'est du sang, les restes de leur proie et quelque chose qu'ils sécrètent, je crois. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu plaisantes? Je mettrai ces potes au feu.
Allez, tu y es presque. Vieux saleté infect. Je suis là. Oui, content d'être en vie. J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau à bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon, il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non, je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Attendez, j'ai une idée. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord, je vais le faire. Ah, je l'ai senti passer. Bien. Quand vous voulez, traînez pas. On y va. On va y arriver. Je vous le dis, dégagez de là. Oui, oust. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur croupe. Ah, c'est ça. Reculez devant la puissance de la muraille. Tu vois, même toi, tu t'y habitues. Oui, c'est eux qui ont peur de toi maintenant. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. Ah. C'est ça, la guerre. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Bien, c'est bon. Ah. Est-ce que tu t'es brûlé? Pas exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. La grosse épave? Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sophia, le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ça devrait me simplifier un peu la vie. On monte. Oui. Ce bateau n'ira nulle part. Regarde, il y avait son nom ici. On peut plus le lire. Oui, ce Rafio a connu beaucoup de rochers et de sable au cours de ses voyages. Ça doit être triste de perdre son nom. Ben, trouve-en un autre. Je peux? Bien sûr. Pourquoi pas? Je pense qu'il le mérite. Il s'appelle... Le survivant. Ça y ressemble, c'est vrai. En fait, rien n'est jamais mort avant d'être totalement enterré. Laissons-le se reposer. Il l'a bien mérité. Tu viens?
ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Ces contrebandiers, ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sophia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une, de sainte? Oh que non. Thank you.
bateau. Hé ! T'as trouvé des traces de pas ? Chut ! Rien ! Tu crois vraiment qu'il y a encore quelqu'un avec tous ces rats ? Cachez-vous ! Reste près de moi ! Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi.
Elle s'appelle le scorpion des mers parce qu'elle pique les gens. Son bateau s'appelle la Rascas. Un poisson du coin avec des épines venimeuses. On l'appelle aussi poisson scorpion. Oh. Je suis presque sûr qu'elle pique aussi. Allez, grimpe. Monte, vite. Je m'en charge. Avec tous ces rats, c'était pas normal. Vous espérez trouver sur Laguna? Un oiseau. On espère trouver un endroit sûr, tout comme toi. J'avais des sources en ville. On m'a parlé d'une sacrée pagaille dans la forteresse. Une fille et un garçon. Oui. Bon travail. Thank you.
Entendu. C'est compris. Je peux pas venir. Content de te revoir. Je ne peux pas te rejoindre. Vite! D'accord. On est de l'autre côté de l'épave. Où on va maintenant? La torche, en bas, près de l'épave. C'est par là. Bien. J'espère que Sophia y est toujours. Quoi? Pourquoi elle y serait pas? Oh, elle peut être assez imprévisible. Non.
c'est pété. Oui, on y est. J'ai peur qu'elle soit un scorpion. Allons, tout va bien se passer. C'est par ici? Oui, un passage discret pour les invités discrets. C'est un vrai cimetière de bateaux ici. Les courants sont traîtres dans le coin. Qu'il y a là-dedans.
De l'eau? La cachette est tout au fond. Non! Non! J'ai peur des vagues! Oh, allez! C'est rien que de l'eau de mer, regarde. Elle a raison. Mais... Hugo, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Écoute, pense à ton île. Mais il y a des vagues! On est presque arrivés. On peut en discuter après? Ah, commence pas, toi non plus! Assez! J'ai peur! Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Et voilà. Seigneur. C'est assez haut pour toi? Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant, tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Merci, Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Au risque de te déplaire, c'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois? Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton rafio. On doit aller à Lacuna. Affaires personnelles. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... C'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Oh ! Il pleut très fort. Oui, un orage de chaleur sûrement. Vous voyez cette lumière? C'est le phare du village de pêcheurs. Le bateau de Sophia est là-bas. Est-ce qu'on va vraiment naviguer par ce temps? Poussons. Reste là. Qu'est-ce que tu fais? Hé hey, arrêtez Wow. Joli travail. Maintenant, il y en a un autre qui arrive. Et alors? Je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Commande et j'exécute. C'est
l'intérieur. Il est tombé ? Arnaud, occupe-toi de celui-là ! Désolé, t'avais aucune chance. Bien joué. C'est mon métier. Oui, je vois ça. Prudemment. Tout de suite.
Il s'est fait tuer. Ah, vilaine bestiole. Je savais. Il n'y a rien ici. Attendez que je vous mette la main dessus.
vivant ? Hé ! Il est mort. Qui a fait ça?
occupe-toi de lui. Voyons ce qu'il contient.
Arnaud, charge-toi de lui. Ils sont là. Véhicule marqué. T'as perdu. Tiens. On fait quoi? Arnaud, occupe-toi de celui-là. Vite fait, bien fait. Désolé. Mais aucune chance. Allez, monte. D'accord.